voilà, on se retrouve très bien installé ici à la ferme et on est heureux de recevoir Anaïs Moulin qui est la deuxième athlète hein, du Club Sport Ardèche à passer, comme on dit, au révélateur de TV07. On avait Eva Guyot il y a quelques semaines qui était avec nous. Anaïs, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va parler vélo. Décidément, c'est l'actualité. Il y a quelques jours, hein, on était au bord des routes des Boucles du Rhum Ardèche, qui étaient présentes aussi pour voir ce joli spectacle. Et on va de nouveau parler vélo et cyclisme, et puis sport féminin, et puis beaucoup de choses avec toi. Alors, ce que je te propose, le plus simple, c'est de te présenter rapidement aux téléspectateurs, expliquer un tout petit peu la discipline, ce que tu pratiques. On va voir, c'est assez large aussi. Bon, voilà, allez, je te laisse la parole et pour te présenter rapidement, nous dire un tout petit peu mais qui tu es et d'où tu viens surtout. Moi, je m'appelle Anaïs Moulin, j'ai bientôt 18 ans. Je suis en terminale générale. Je fais mes études à Besançon, dans le Doubs, parce que je suis au Pôle France VTT, du coup, à Besançon. Mais je suis licenciée depuis toujours en Ardèche. Et je suis née aussi en Ardèche et mes parents habitent en Ardèche aussi. Ouais, tu disais donc le VTT, Besançon, mais avant Besançon, il y a eu des étapes. Il y a eu Anaïs qui a découvert le VTT avec des papas qui a trempé dedans, maman aussi qui est bien sportive. Il y avait la grande sœur qui a montré la route. Donc le début, c'était à Vallon. Il y a eu Vallon, il y a eu aussi Aubenas avec le CTAV. Donc c'est là véritablement que tu as commencé à découvrir le VTT. Ouais, j'ai commencé juste comme ça pour m'amuser au CTAV, qui est un club où on ne peut pas faire de compétition du coup. Puis après, j'avais envie de me mettre à la compétition, donc je suis allée au Vélo Club Pays Vallonnais à Vallon. Et puis après, j'ai échangé pour venir à l'UC Albenacienne. Voilà, l'UCA, qui est le club affilié à la Fédération française de cyclisme, le club local. La discipline, c'est le VTT, d'accord, tu l'as dit. On va expliquer rapidement un peu les différentes, disciplines qu'il y a dans le VTT. La principale, c'est le XCO. Oui, donc moi, ma discipline principale, c'est le XCO. C'est celui qu'on voit au JO. Donc c'est un circuit et puis on a tant de tours à faire, on le sait avant le début de la course pour que ça fasse environ, moi dans ma catégorie d'âge c'est 1h10, 1h15 et puis on part tous ensemble et c'est le premier qui franchit la ligne qui a gagné. Voilà, avec un mode assez spectaculaire hein, parce qu'en général c'est des parcours qui sont assez courts et on va dire que le temps où on partait, où les vététistes partaient, on ne les revoyait plus de la journée, c'est révolu. Aujourd'hui c'est des petits circuits très spectaculaires qui sont assez normés avec des passages un peu imposés. Donc là c'est aussi l'évolution du VTT aujourd'hui. Ouais, c'est des parcours qu'on voit qui sont de plus en plus courts. En général on met entre 10 et 15 minutes à faire un tour, donc moi, dans ma catégorie, on a à peu près 4 tours. Donc ça fait qu'on voit, on se met en se déplaçant vite fait, on peut voir 6-7 fois la course. Et il y a des endroits spectaculaires où tu as plusieurs lignes. Tu as une ligne qui est plus difficile mais plus rapide, puis une ligne plus simple, mais du coup où tu perds du temps. Donc faut réussir à passer les lignes les plus rapides. Des choix tactiques, donc, suivant, on va dire, un peu votre façon d'aborder la course, vos qualités ou vos défauts, des fois on va prendre une option ou l'autre. Ouais, c'est ça, si on est plus ou moins technique, on prendra la ligne difficile ou la ligne plus facile. Alors, le XCO, le VTT, mais il y a aussi une discipline, on va dire, que tu aimes et que tu apprécies, c'est le cyclocross. Tu sors de la saison de cyclocross, une superbe saison de cyclocross qui s'est clôturée par les championnats du monde il y a quelques semaines. Là aussi, discipline spectaculaire dans les sous-bois. Vraiment, on va dire que c'est la continuité logique du VTT. Ouais, c'est sûr que moi, ne rien faire l'hiver, j'aime pas trop ça parce que juste l'entraînement, j'aime bien l'entraînement, mais je préfère la compétition. Donc j'avais besoin de faire de la compétition aussi l'hiver. Puis le cyclocross, ça aide pour le VTT parce qu'on voit que les circuits en VTT ils sont de plus en plus roulants. Et le cyclocross, c'est moins de dénivelé, moins de technique, mais c'est l'hiver, donc c'est souvent gras et il y a des parties de course à pied, de portage.
Puis il y a quand même quelques endroits techniques dans les dévers, les planches à passer, tout ça. Alors, voilà, on a planté un tout petit peu le décor des différentes disciplines. Donc on le disait, Aubenas, on fait, on va dire, les armes hein, dans les disciplines, dans les petites catégories. Et puis à un moment donné, il y a une décision à prendre qui a été de partir. Tu as eu l'opportunité, du fait de tes résultats, de rentrer au Pôle France de Besançon aujourd'hui, qui est le pôle de référence au niveau du VTT. Décision pas simple. Et puis, il y a aussi, on va dire, un élément important qui sont les études. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut mener de front eh bien, la carrière sportive et les études. Et ça, c'est quelque chose de, on va dire, de très important pour toi. Je pense que pour papa et maman aussi, ça doit être l'une des conditions. Donc, comment tu arrives à concilier, on va dire, un tout petit peu les deux? Ouais, bah, j'ai d'abord commencé en seconde au lycée, au pôle de Chambéry. Donc, c'est un pôle juste féminin. C'est un pôle qui est maintenant un pôle espoir, donc qualifié par la région, reconnu par la région. Et du coup, là-bas, j'étais à l'internat. Donc, c'est sûr que on passe d'être chez papa-maman tout le temps à devoir aller être à l'internat, être beaucoup plus responsable. Puis je me suis retrouvée avec d'autres filles du pôle, on s'est tout de suite super bien entendues, on était tout le temps ensemble à l'entraînement, pas dans la même classe, mais on était dans la même chambre à l'entraînement tout le temps ensemble. Donc on était pratiquement 24 heures sur 24 ensemble. Puis le week-end, on rentrait chez nous, donc ça faisait quand même pas mal de trajets. Au début d'année, j'ai eu un petit peu de mal à assimiler un peu la fatigue. Et puis après, grâce à mon titre de championne de France, j'ai pu avoir l'opportunité d'aller à Besançon. Donc c'est à peu près le même fonctionnement qu'à Chambéry, on a des horaires aménagés. On est tout le temps ensemble, sauf on n'est pas dans la même classe, mais on est tout le temps ensemble à l'entraînement. Après là, à Besançon, par contre, moi j'ai choisi d'être en appartement tout le temps. Donc je rentre chez moi juste aux vacances scolaires quand il n'y a pas de stage ou de compétition. Donc c'est sûr qu'au début, ça fait un peu bizarre, mais comme j'étais déjà passée par l'internat avant, bah au final ça allait. Et puis comme avant je faisais souvent des compétitions où j'étais pas forcément avec mes parents, mais en déplacement avec les clubs, bah ça m'a pas trop dérangé au début. Et le déroulé de l'année scolaire, parce que bon là on va dire que tu es sur une période un tout petit peu de reprise, tu viens de sortir la saison cyclo-cross, donc on va dire que tu es sur un fonctionnement quand même assez classique, mais après une fois que ça va se lancer. Je suppose qu'il y a les déplacements, donc on part très tôt dans la semaine. Comment ça se passe au niveau scolaire? Comment se passent les aménagements au niveau de l'école? Ouais, bah en fait, on a des horaires aménagés dans la semaine pour rouler. On a 4 créneaux dans la semaine, du coup, pour aller s'entraîner. Et quand on rate, c'est à nous de rattraper de notre côté. Les profs, ils savent qu'on est une classe de sportifs. En fait, il y a une classe par niveau à mon lycée de sportifs, donc... Ils savent qu'on est absent, c'est pas parce qu'on n'a pas envie d'être là, c'est juste qu'on est en stage ou en compétition. Là, avec le cyclocross, j'ai raté. Il y a eu 2 semaines de stage complet qui sont tombées sur les vacances, sur les semaines de cours. Donc on a dû rattraper les cours et essayer de suivre quand je reviens. Ouais, c'est pas forcément un cadeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, vous avez un statut un tout petit peu privilégié, mais il faut quand même. À un moment donné, rattraper les cours que vous n'avez pas fait et ça demande un travail supplémentaire. Ouais, c'est ça. Juste en fait, notre statut nous permet d'avoir le droit en fait de rater les cours et notre absence elle est justifiée. Mais enfin, nous de notre côté, faut qu'on travaille encore plus pour réussir à comprendre ce qu'ils ont fait et comprendre en revenant en cours surtout. Et alors le paradoxe, hein, c'est qu'il y a le bac à la fin de l'année. Et en général, les dates du bac, elles tombent souvent avec des échéances assez importantes. Hein. C'est toujours très compliqué à négocier comme période. Ouais, bah là, avec les JO, du coup, ça tombe bien parce qu'en juin, on n'a pas beaucoup de compétitions. Juste, il y en a une fin juin, début juillet. Et c'est sur les dates du grand oral. Mais du coup, comme on a le statut au niveau, on a le droit de choisir, entre guillemets, notre date. Moi, du coup, j'ai demandé à passer au début des dates. Comme ça, après, je peux partir directement sur ma saison de VTT sans être gêné par le grand oral. Quoi. Alors, on le disait, année du changement, puisque tu es parti à Besançon. Et puis, y a eu une nouveauté aussi cette année, puisque tu vas changer de team. Alors là aussi, c'est un peu compliqué dans le VTT. Tu le disais, tu es licencié donc, à l'UCA, mais parallèlement, tu appartiens à un team. Donc, qui est un peu le passage obligatoire pour pouvoir évoluer au haut niveau en VTT. Donc explique un tout petit peu aux gens comment ça fonctionne ce,
au niveau du VTT. Ouais, donc en VTT, on a le choix d'être soit juste dans un club, mais en général, les clubs en VTT, ils nous accompagnent sur les petites catégories. Puis dès qu'on arrive en cadet, donc à l'âge de 15 ans, on a le droit de rejoindre un team qui, lui, va nous aider. Il va être là, enfin, ça dépend les teams, mais normalement, sur les week-ends de compétition, ils sont là pour nous tout faire, en fait, comme une équipe pro sur route. Mais là, c'est plus petit puisque c'est pas pro, mais c'est tout comme. C'est juste que la plupart du temps, c'est des bénévoles qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner avant la course, pendant la course sur notre zone technique, ravitaillement, tout ça, après la course. Puis c'est un soutien aussi pour les logements, pour le déplacement, tout ça. Donc c'est sûr que les teams, c'est super important. Moi, j'ai commencé dans un team familial parce que c'était le team de mes cousins, le team des miens. Puis ensuite, je suis allée au team LVTT où c'était comme un team familial en fait parce que c'était un bon groupe de filles. On n'était pas hyper nombreuses, on s'entendait toutes bien. Puis du coup, c'est sûr que ces moments, ça tire vers le haut. Moi, je me souviens quand je passe la ligne au championnat de France, elles étaient plus contentes que moi que j'ai gagné. Et puis cette année, du coup, j'ai rejoint un plus gros team qui m'accompagnera encore plus financièrement et matériellement, qui sont un peu mieux du coup, mais ouais, j'ai hâte de découvrir cette année avec eux. Ouais, et puis c'est une team quand même qui a pour habitude de sortir un tout petit peu des pépites. Hein. Ils sont ils arrivent toujours à renifler les bons coureurs. Donc c'est sûr que toi, là aussi, tu vas retrouver au sein de ce team, hein, c'est le team Anjos. Ouais. Et là aussi, tu vas retrouver une émulation qui doit être super intéressante. Et puis, il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé des teams, c'est le matériel, qui est hyper important en VTT. Et là aussi, tu vas pouvoir évoluer sur... Alors, ça te fait changer complètement de matériel, puisque tu passes chez KTM. Donc là aussi, c'est une découverte pour toi cette année. Ouais, on a eu le vélo il y a 2 semaines. Moi, j'ai repris le VTT juste là, il y a 1 semaine. Puis j'ai pu l'essayer, pour le moment j'ai roulé qu'une fois avec, mais j'y retourne cet après-midi. Et ouais, au début c'était un peu bizarre parce que c'est pas du tout la même forme de cadre le vélo, ni les mêmes composants, donc faut se réhabituer. Mais à la fin de la sortie, ça allait très bien et ouais, il est vachement bien. Le matériel dans le VTT est hyper important, il y a des évolutions régulières. Donc là aussi je suppose que c'est important pour toi d'être dans un team et tu es toujours à la recherche aussi de ce qui va se faire de mieux parce que ouais, la machine est véritablement importante et les évolutions sont très rapides. Ouais, c'est ça, on dit que le vélo fait pas tout, mais ça fait quand même une grande partie parce que c'est sûr que si tu as un vélo qui est lourd, qui marche moins bien, que tu as des problèmes à toutes les courses, tu peux pas performer, alors que si tu as un super vélo léger, qui va tout comme tu veux, c'est sûr que c'est toujours plus facile. Puis les parcours, en plus, ils sont de plus en plus techniques et spectaculaires, tout simplement, pour la télé. Et ça, nous, ça va nous aider aussi pour être plus diffusés, donc plus de moyens après aussi. Donc forcément, le matériel, il devient de plus en plus perfectionné et puis surtout, du coup, plus cher aussi. Donc forcément, ça aide vachement d'être dans un team de ce côté-là. Alors on le disait, c'est la reprise. À la fin de la semaine, il y a la première course qui arrive et puis les Coupes de France qui vont s'enchaîner assez rapidement. C'est quoi les objectifs d'Anaïs Moulin pour cette année 2024, alors année particulière, année olympique. Dernière année pour toi, c'est ça, je ne dis pas de ouais, bêtises, ouais, chez les juniors, avant de passer dans la catégorie espoir. Ouais. Donc c'est quoi les objectifs pour cette année? Ouais, je me suis pas encore trop fixée d'objectifs parce que j'attends de voir le début de saison. Mais c'est sûr que par rapport au cyclocross, j'ai l'impression d'avoir passé un petit cap. Donc j'ai pas trop d'objectifs. Et puis après, sur les Coupes de France et Coupes du Monde, Junior Series, qui est l'équivalent des Coupes du Monde pour les juniors, réussir à pourquoi pas accrocher un podium qui est un podium à 5. Et puis après, réussir à être au championnat du monde et au championnat d'Europe avec l'équipe de France et participer au relais. Bon, alors on parle de l'année 2024, mais c'est quoi le Graal pour Anaïs Moulin? C'est les Jeux. C'est quoi véritablement... C'est quoi, on va dire, qui te fait rêver aujourd'hui et le titre que tu aimerais aller chercher? C'est sûr qu'un titre aux Jeux Olympiques, c'est énorme parce que c'est qu'une fois tous les 4 ans et puis qu'il y a très peu de pilotes qui peuvent y aller. À la fois, un titre de champion du monde, c'est un maillot que tu peux porter, donc ça se voit plus
entre guillemets, qu'un titre de champion olympique. Donc, ouais, un titre de champion du monde, ça fait bien rêver aussi. Alors, petite question piège. Pauline Ferrand-Prévot ou Loana Lecomte? Ah bah... Loana Lecomte, d'ailleurs, qui est passée par, je veux pas dire de bêtises, par Besançon. Ouais, Loana, elle est entraînée par le même entraîneur que moi, donc c'est sûr que ça donne aussi envie de suivre leur chemin. Alors laquelle? Moi, j'ai pas vraiment de préférence. C'est deux profils un tout petit peu différents. C'est sûr. Bah, au championnat du monde, du coup, on a pu être avec les deux et c'est sûr qu'elles sont, elles sont différentes l'une de l'autre, mais elles ont toutes les deux leur côté positif et, bah, comme tout le monde, un petit peu plus négatif de chaque personne, quoi. Est-ce que c'est des références pour toi? Oui, c'est sûr que bah, voir comment elles marchent, elles sont super fortes toutes les deux et puis elles ont toutes les deux leurs qualités. Puis tu as la chance de les côtoyer, donc ça aussi c'est important pour toi, c'est de l'expérience qui arrive. Moi j'ai une question à te poser. On parlait de Pauline Ferrand-Prévot qui a brillé quasiment dans toutes les disciplines. On voit chez les hommes des ex-vététistes qui sont devenus routiers, qui reviennent au VTT. La route dans tout ça, Anaïs Moulin. Ouais, la route, moi c'est pas forcément ce que je préfère. Après, j'aime de plus en plus parce qu'on en fait de plus en plus aussi. Et puis, j'ai la chance d'avoir un meilleur vélo. Donc, c'est sûr que bah, le vélo, ça aide à prendre plus de plaisir. Donc, c'est pas ce que je préfère. Je vais faire cette année quelques courses pour m'entraîner, mais c'est pas forcément ce que je préfère parce que je trouve que bah, tu peux être le meilleur et pas forcément gagner hein, parce que c'est plus un équipe. J'aime bien aussi les sports d'équipe, mais sur le vélo, je préfère plus être individuel et le VTT, ça m'intéresse Mais quand tu vois l'explosion du cyclisme féminin sur la route, parce qu'on va être clair, aujourd'hui, il y a véritablement une explosion, on l'a vu avec le Tour de France, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau des plus grandes courses internationales, est-ce que quelque part, ça ne te fait pas un tout petit peu envie quand même? Est-ce que ce n'est pas dans un coin de ta tête? Parce que on va revenir à Pauline Ferrand-Prévot. Moi, je vois bien l'histoire qu'après les Jeux Olympiques, je pense qu'elle va aller retenter sa chance sur la route parce qu'elle est dans ce move-là. Est-ce que ce n'est pas dans un coin de ta tête? C'est sûr que c'est plus facile de passer, plus facile entre guillemets, de vivre du cyclisme en étant sur route qu'en VTT. Surtout chez les filles, parce qu'il y a beaucoup moins de des filles françaises qui vivent du VTT. Il y a Pauline, Loana et Lynn qui est en train de les suivre, mais... Sinon, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc c'est sûr que pour vivre de son sport et de ce qu'on aime, c'est plus facile sur la route. Mais à la fois, moi, là, ce que j'aime, c'est le VTT et pas la route. Donc pour le moment, non, ça ne m'intéresse pas trop la route. mais tu sais que de toute façon, c'est un passage obligé qu'il faut aller quand même rouler sur la route pour pouvoir aller prétendre à des performances. D'ailleurs, en termes de proportion, finalement, je dirais que presque vous faites autant de route que de VTT. Hein. Ouais, moi je fais même plus de routes que de VTT, je pense. Parce que pendant la saison hivernale, j'avais plus de routes que de cyclocross en termes de volume horaire. Parce que sur la route, on peut enquiller plus facilement les kilomètres qu'en cyclocross ou en VTT. Puis là, ça fait une semaine et demie que j'ai repris. J'ai fait une fois du VTT et tout le reste, c'était de la route, quoi. Mais aussi parce que là, en ce moment, il y a plein de monde qui vient en stage en Ardèche et c'est des équipes de route. Donc ça me permet d'aller rouler un peu avec des équipes de route à droite, à gauche. Et puis, ça fait toujours plaisir aussi de revoir du monde. Donc, c'est sûr que la route, ça a une place importante dans le VTT pour l'entraînement. Alors, voilà, on a parlé des objectifs. On a parlé de quelques championnes il y a quelques instants. Et puis, s'il y avait un lieu mythique du VTT, c'est lequel pour toi? Franchement, en Ardèche, on est pas mal pour faire du VTT. Après, avec l'équipe de France, ça fait du coup 3 ans qu'on va en stage à Boulouris, à Saint-Raphaël, où ils ont ouvert une piste de permanente de VTT et qui est vachement cool à rouler parce que en fait, on peut faire plein de choses. C'est grand, mais c'est pas non plus immense. Et en fait, on peut tourner dans tous les sens, refaire plein de passages. Sur chaque passage technique, il y a plusieurs façons de l'aborder, donc c'est vachement cool à rouler et puis c'est au sud, il fait beau. Et est-ce que tu as eu l'occasion de rouler sur la piste XCO qui a été faite sur la base de Salavas? Ouais, celle de Salavas aussi, elle est pas mal parce que c'est un peu comme à Boulouris. C'est un stade olympique, donc à chaque fois, il y a plusieurs passages techniques, elle est vachement intéressante.
Après, ouais, elle monte beaucoup aussi. Mais donc c'est bien pour travailler autant physique que technique. Et ouais, elle est super intéressante, je trouve, à rouler. Et on prend du plaisir à rouler dessus. Et en termes d'ambiance, est-ce que tu préfères l'ambiance des cyclocross en Belgique ou par exemple une Coupe du Monde ou un championnat du monde au G? Bah, franchement, les G, j'y étais parce que bah, ma sœur, elle les faisait. Et on allait voir le championnat du monde. Et ouais, ça reste le VTT niveau ambiance, je pense que... Enfin, si on prend toutes les disciplines, bah c'est sûr que c'est le VTT de descente où ils font le plus d'ambiance. Mais comme là, il y avait la descente la veille, bah le jour des élites, le dimanche, ouais, c'était incroyable ambiance. Et même quand on va, bah, par exemple, là à Glasgow, enfin, c'était un peu plus loin, bah, franchement, il y avait du monde aussi. Et ouais, l'ambiance, c'est différent du cyclocross, quoi, mais j'aime beaucoup l'ambiance VTT. Oui, mais le cyclocross en Belgique, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est sûr que les cyclocross en Belgique, il y a beaucoup d'ambiance aussi. Après... c'est surtout sur les cyclocross, je pense, le cyclocross de nocturne, où là, il doit y avoir pas mal d'ambiance. Après, j'y ai jamais allé, donc je sais pas trop ce que ça donne, mais ouais, à voir à la télé, ça fait rêver aussi. Eh, c'est sûr, c'est sûr. Allez, on va parler un tout petit peu maintenant du sport féminin, parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. On voit que de plus en plus, quand même, le sport féminin est en train de, on va dire, d'éclater au grand public, et c'est très bien, on en voit de plus en plus. Je pense que toi, ça doit te faire plaisir, mais je sais que tu étais à cœur de faire passer un message aussi par rapport peut-être aux jeunes filles. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Hein, il faut aller découvrir quel que soit le sport, et bon, toi, c'est plus le vélo, mais allez-y, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a plein de filles qui osent pas se lancer parce que après on va leur dire à l'école ouais tu fais un sport de garçon, t'es pas une fille, t'es un garçon manqué, tout ça, mais au final non, juste tu fais un sport et tu prends du plaisir à faire ce que tu fais. Et ouais, franchement, faut pas avoir peur de se lancer, puis faut pas écouter forcément ce que disent les autres. Après, des fois les personnes les plus dures à convaincre, c'est les parents, parce que bah ils veulent, quand t'es une fille, ils veulent te mettre à la danse et pas au vélo, alors que toi, ce que tu veux faire, c'est du vélo. Donc il faut réussir à surtout à convaincre ses parents, et puis une fois que les parents c'est fait, bah faut pas avoir peur de se lancer, parce que franchement, quand on regarde les filles, bah par exemple Pauline, on la voit sur un vélo, on la voit à côté, bah elle est c'est une fille, quoi, elle est normale, comme bah, toutes les cyclistes et comme dans tous les sports. Et lors de la dernière interview, on avait Eva Guyot qui était avec nous, et on a abordé un aspect, elle a vraiment tenu à l'aborder, c'était l'aspect diététique. Je dirais que chez les cyclistes aujourd'hui, on a quand même une mode, et quand on voit la transformation physique de Loana Lecomte, on peut pas, voilà, on est obligé, à un moment donné, ça pose quand même question, hein, puisque voilà, il y a quand même eu, on va dire que voilà, elle a quand même perdu beaucoup de poids. Est-ce que ça, quelque part, ça te fait un peu peur, ou tu l'appréhendes comment, toi? Parce que je sais qu'en tant que fille, c'est toujours très particulier. Ouais, bah c'est sûr que le poids des filles, il est toujours regardé, encore plus quand tu es cycliste, où bah, les tenues, on voit pratiquement que ça, quoi. Où tu prends ou tu perds du poids, bah, ça se voit vite, puis ça parle vite aussi, parce que bah, c'est un sport qui est quand même assez médiatisé, donc ça se voit vite. Et puis, ouais, comme les circuits sont de plus en plus physiques aussi, bah, y en a plein qui... Enfin, il faut s'affûter, quoi. Mais après, moi, franchement, le poids, c'est pas du tout... Je regarde pas trop. Après, c'est sûr que pendant la saison, faut faire attention à ce qu'on mange, tout ça, et puis être à son poids de forme. Mais il faut pas non plus se priver et être toujours sur la limite avec la santé, quoi. Et quand tu vois une Loana, même une Pauline, hein, qui est pas épaisse aussi, vraiment, qui est... Ça te pose quoi comme question? Tu te dis quoi, en fait? Non, bah après, ça te surprend pas? Non, franchement, c'est leur poids de forme. Elles marchent quand elles sont comme ça, d'autres moins. Enfin, d'autres, on voit très bien, moi, Evie Richards, c'est une fille que bah, j'admire énormément, et pourtant elle n'est pas aussi fine et aussi affûtée que Loana et Pauline, et pourtant elle marche tout autant. Donc franchement, c'est juste que ça dépend des personnes. Certaines ont besoin d'être un poids de forme plus bas et d'autres plus haut, enfin plus haut entre guillemets. Donc c'est, chacun a son poids de forme, et ça dépend de la personne, je pense. Donc pas de prise de tête pour Anaïs Moulin pour le moment. Elle profite de la bonne nourriture ardéchoise de papa-maman. Là-dessus, on est au clair. Et puis, il y a le club Sport Ardèche, parce qu'on va en parler, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi, hein, qui a été un partenaire depuis longtemps pour toi. Là aussi, c'est une aide substantielle qui est importante pour toi. Ouais, bah, au club Sport Ardèche, on peut y rentrer
partir de 16 ans, il me semble. Donc ça va faire, si j'arrive à y rester, la troisième année que j'y suis. Donc c'est sûr que c'est une aide d'abord financière. Le plus gros, c'est sûr que c'est l'aide financière. Mais aussi, ils nous mettent, nous les sportifs, en avant. Comme par exemple, lors d'aujourd'hui. Donc ça nous aide aussi à rencontrer de nouvelles choses et puis à mettre un peu plus un pas dans le monde professionnel, entre guillemets. Oui, et puis il y a l'aide financière, comme tu dis. Après, il y a le réseau. Donc là aussi, hein, les jeunes, n'hésitez pas à poser votre dossier. D'ailleurs, c'est fini pour cette année, puisqu'il va y avoir la sélection qui va sortir dans quelques temps. Mais voilà, on a vu Eva Guyot, on a vu toi. C'est vrai que vous êtes des... On va dire que maintenant, tu deviens un emblème un peu de ce club Sport Ardèche, qui est important. Et ça fait du bien de sentir aussi ton département, l'Ardèche, hein, qui est derrière toi, je suppose. Oui, c'est sûr que... quand on voit que le club il nous aide à nous mettre en avant, quand on est dans les journaux, tout ça, c'est sûr que ça fait plaisir. Et puis, quand on rencontre les plus jeunes de nos anciens clubs ou quoi aussi, ça fait quelque chose de voir qu'ils sont, ils sont contents de nous voir, alors qu'au final, on fait rien. Enfin, entre guillemets, juste on prend du plaisir à faire notre sport et on arrive ou non à performer, quoi. Bon, ben voilà, on en sait désormais un tout petit peu plus sur Anaïs Moulin. Est-ce que tu as envie d'aborder un point particulier, quelque chose qui te ferait vraiment plaisir, un message à faire passer peut-être aux plus jeunes ou aux plus anciens ou aux sportifs féminins en général? Est-ce qu'Anaïs Moulin a envie de faire passer un message? Oui, comme je l'ai dit, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Puis en plus, il y a de plus en plus de structures qui aident encore plus les filles. Comme par exemple le pôle de Chambéry où j'ai pu aller, c'est exclusivement féminin. Puis il y a plein de disciplines, ils sont en train de s'ouvrir encore plus sur le triathlon. Ensuite, il y a eu le team LVTT. Bon, malheureusement, là, cette année, ils ont dû se raffilier avec le XC63 parce que ça commençait à être un peu compliqué niveau budget, tout ça. Mais il y a plein d'autres structures juste pour les filles, ou même ne pas avoir peur d'aller se mélanger aussi aux garçons dans les clubs, parce que c'est par là aussi qu'on progresse. Être confronté à des gars, c'est sûr qu'ils sont là, c'est toujours, ils veulent aller à fond, et puis au final, aussi, ils te tirent vers le haut. Moi, je vois bien, l'année dernière, au pôle, il y avait Paul Magnier, qui cette année, il marche très fort. Et il était toujours là, il nous aidait, enfin, tous ensemble. Pareil, les plus grands de Lynn aussi, avec qui on roule tout le temps, enfin, surtout l'année dernière. Toujours ils sont là, ils nous aident, ils demandent si ça va, puis dans les bosses, ils nous aident, ils nous poussent pour qu'on soit tous à la même allure et qu'on s'entende tous bien. Donc faut pas avoir peur, parce que dans le milieu du sport, si la personne aime vraiment son sport, et elle t'aidera, que tu sois une fille, un garçon, petit, grand ou quoi. Donc faut pas avoir peur de ça. Bon, le message est passé. Le message est passé. Ben, écoute Anaïs, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va te souhaiter une superbe saison 2024-2025, qu'elle soit aussi riche que celle que tu viens de vivre, que tu puisses, remplir tous tes objectifs et prendre beaucoup de plaisir sur un vélo, parce que ça, je sais que c'est important. On a été heureux de te recevoir sur TV07. C'est le moment de se quitter. On va se donner rendez-vous pour un prochain portrait d'un sportif ardéchois du club Sport Ardèche. Et Anaïs, comme on a l'habitude de le dire sur TV07, faites du sport.